Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment faire un éventail avec un jeu de cartes. Alors, comment je fais ça? Donc, comme ça, tout simplement. Donc, je vous explique. Je tiens le jeu dans la main gauche, donc forcément, si je suis droitier, si je suis gaucher, je fais l'inverse. Donc, du coup, je vais venir avec ma main droite, attraper le jeu comme ça, donc majeur annulaire, de cette façon-là. Et ensuite, c'est le pouce qui va faire une pression au niveau du jeu de cartes, et après, l'index qui va tourner le jeu. Donc, je vous montre ça. Ce que je fais, c'est que moi j'appuie à peu près ici avec mon pouce, mais j'appuie légèrement, et après il faut aller rapidement avec l'index pour faire tourner le jeu. J'essaie de vous le refaire lentement. Donc j'ai mon pouce ici, je tourne le jeu et c'est l'index qui tourne. Je vous le refais, voilà. Donc forcément, si vous avez un jeu qui est neuf, les cartes vont glisser, donc ça va être facile. Si le jeu est un peu plus abîmé, c'est vrai que ça va être un peu plus difficile. Du coup, une technique que je vous conseille, c'est d'appuyer en fait sur les deux tranches du jeu avec les mains comme ça, et ça va séparer légèrement les cartes. Donc la technique, c'est on appuie comme ça et après on met le pouce, du coup ça va glisser un peu mieux. La deuxième technique, c'est d'appuyer comme ça, et c'est tout le jeu en fait, c'est toute la main qui va faire glisser le jeu, voilà, comme ça. Je vous remontre du coup la première technique. J'ai le jeu en main gauche, je l'attrape avec la main droite. C'est mon pouce qui exerce une pression à ce niveau-là. Et mes doigts derrière, ils sont comme ça. Donc voilà. Et l'index, en fait, qui va tourner le jeu. Tout simplement. Ensuite, la deuxième technique, c'est d'appuyer justement sur les deux tranches comme ça pour séparer un peu plus les cartes. Donc ça, c'est si vous avez un jeu un peu abîmé. Vous faites ça. Et on tourne le jeu. Ou sinon, vous faites la même chose. Et c'est toutes les mains, en fait, qui tournent le jeu. C'est toute la main qui accompagne le mouvement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà.